L'heure est venue de mourir à ce corps que vous croyez être le vôtre. En janvier dernier, Enquête a diffusé les derniers moments de Chantal Lavigne. Depuis 3 ans, elle fréquentait un groupe de croissance personnelle dirigé par Gabrielle Fréchette. En juillet 2011, lors d'une activité de sudation, dans une pièce fermée, les participants ont été enduits de boue, enveloppés dans du plastique et de nombreuses couvertures, et ont eu la tête recouverte d'une boîte de carton pendant 9 heures. Chantal Lavigne est morte d'hyperthermie. Nous avons obtenu les enregistrements sonores de cette séance. Cessez de craindre! La mort est la liberté! La mort, c'est la vérité! La mort est le retour à Dieu! Gabrielle Fréchette a refusé toutes nos demandes d'entrevue. Mais quelques jours après la diffusion de notre reportage, en janvier, elle a accordé 2 entrevues à la radio. Je me sens pas responsable dans le sens où il y aurait eu une négligence de ma part. C'est la façon de faire depuis des années. Tout le monde le fait comme ça partout. Partout où vous allez, que des sédations, c'est ça la technique, c'est ça l'approche. OK, mais qui vous a montré à faire ça? Moi, j'ai suivi une formation avec un chaman druide en Bretagne en 2007. Moi, j'ai suivi ma formation avec un maître chaman en Bretagne. C'est Patrick Daquet. Je dément formellement. Nous avons retrouvé le chaman Patrick Daquet dans sa campagne bretonne. Il a collaboré à l'élaboration d'un code d'éthique chamanique après une rencontre avec l'Organisation française de lutte contre les dérives sectaires. Il est furieux que Gabrielle Fréchette affirme qu'il l'a formé pour faire des sudations. Je n'ai jamais formé personne pour faire des huttes de sudation, encore moins elle, qui a pratiqué une hutte de sudation 2 ou 3 fois maximum avec moi. Une hutte de sudation, ça dure, la cérémonie en elle-même va durer 3 heures, et puis au bout de 20-25 minutes, on fait rentrer des bouteilles d'eau, chacun va boire pour s'hydrater, quoi. Il est question d'enfermer des gens dans du plastique, de leur foutre des paquets de couverture dessus pour qu'ils cuisent et on leur met une boîte de carton où ils respirent de l'air carbonique. Ce sont des principes, mais inacceptables. Jamais aucun chaman n'a pu faire une chose pareille. C'était pendant 9 heures. 9 heures. Ce que je n'en reviens pas, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de personnes de mortes. Parce que je ne sais pas comment un corps humain peut supporter une telle barbarie, une telle torture. Ça a duré combien de temps, votre formation avec le chaman druide? J'ai été là en contact avec lui en formation intensive, quasiment sur 8 mois au total. C'est faux, explique Patrick Daquet, qui a rencontré Gabrielle Fréchette une première fois il y a 10 ans lors d'une conférence à Bordeaux. Elle a passé une journée avec moi où pendant une journée, j'ai témoigné des pratiques celtiques. Elle a tellement été enchantée et son groupe a tellement été enchanté de ce qu'ils avaient vu que j'ai été invité l'année d'après pour aller enseigner les pratiques celtiques au Québec. J'y suis allé 4 fois dans l'année, 4 fois 6 jours. Je me sens humilié, je me sens confisqué, je me sens presque violé. C'est-à-dire qu'on utilise mon nom pour des pratiques barbares. En novembre dernier, munie d'une caméra cachée, une collaboratrice est allée chez Gabrielle Fréchette dans le but d'obtenir un rendez-vous avec elle. Oh, OK! Oh, excusez-moi, j'entendais pas. Ben là, je vois ça parce que j'arrête pas de crier depuis tantôt. Gabrielle Fréchette donne des formations depuis 20 ans et affirme que plus de 2000 personnes ont suivi ses enseignements. Le prochain rendez-vous, c'est en mars. Oh. Janvier, février sont pleins, je suis rendue à mars. Elle offre à notre collaboratrice de lui envoyer la liste des cours offerts par son groupe. Elle en offre des centaines. Mais c'est sûr que si tu lis le programme, tu vas trouver ça peut-être trop pour toi, là, parce qu'on atteint des niveaux de maîtrise. Puis de... Ah ouais, mais il reste quand même tous les ateliers de base. Dès sa première rencontre avec Gabrielle Fréchette en 2007, Chantal Lavigne a cru qu'elle pourrait gagner sa vie comme formatrice. Nous avons obtenu les enregistrements de cette séance. Et de grâce, n'oubliez pas, une simple médium. Que je vais gagner ma vie en tant que médium. Tout est une question d'investissement et de choix de vie. Vous en vivrez à partir de l'instant où vous le choisirez réellement. Chantal Lavigne a signé un contrat de 3 ans pour une valeur de près de 19 000 $.
Le principe qui est suivi habituellement par l'ensemble de ces groupes-là, c'est d'inscrire les gens dans des séries de cours. Diane Cazzoni est criminologue et spécialiste des groupes de croissance personnelle. En suivant encore un autre cours, bien, ils vont pouvoir devenir à leur tour formateurs. Et donc, de formation en formation, très, très souvent, les gens qui commencent un premier cours vont s'embarquer pour des séries, parfois, de plusieurs années, de dizaines et de dizaines de cours. Dès sa deuxième visite au Québec, Patrick Daquet a rompu les liens avec Gabrielle Fréchette. Il y avait des degrés d'initiation qui étaient inventés tous les mois. C'était une manière à n'en plus finir de maintenir les gens sous dépendance. Est-ce qu'il y a des balises actuellement qui encadrent ces groupes au Québec? Non, il n'y a aucune balise. Ils ne sont répertoriés nulle part. En France, après les événements de l'Ordre du Temple solaire, un organisme de lutte contre les dérives sectaires a été créé. Miviludes. Cet organisme relève directement du premier ministre français. Service du premier ministre, nous vous demandons de bien vouloir patienter quelques instants. La prévention, c'est connaître le phénomène, informer nos concitoyens des dangers. Nous le faisons comment ? Rapport annuel remis au premier ministre qui est très médiatisé, un site internet et les questions qu'on nous pose. Nous recevons à peu près 2000 interrogations par an. Nous répondons à toutes les interrogations sur des mouvements qui peuvent présenter des dangers. Georges Fenech est le président de Miviludes. Il explique que son organisation possède des vrais moyens de fonctionnement. Toutes les forces vives françaises, tous les pouvoirs publics sont rassemblés dans la lutte contre les dérives sectaires parce que ça représente une véritable menace pour la démocratie et pour les personnes. Cessez de craindre la mort et la liberté. De 1987 à 1993, le Québec a eu un organisme à but non lucratif qui répertoriait et qui donnait de l'information sur les groupes de croissance personnelle. Il s'appelait InfoCroissance. C'est Lynn Beauchamp, l'actuelle ministre de l'Éducation et vice-première ministre, qui était la directrice de l'organisme. Premièrement, on renseigne à la fois les consommateurs et les promoteurs sur leurs responsabilités et sur leurs droits, et on a un service de médiation en cas de plainte. Lynn Beauchamp était à l'époque convaincue de l'importance de son organisme. Lorsqu'on a pris la décision... Aujourd'hui, impossible de savoir ce qu'elle en pense. On me dit... Elle a refusé de nous accorder une entrevue sur ce sujet. Au Québec, il n'y a actuellement aucune volonté d'injecter des fonds pour créer un organisme d'information et de prévention sur les groupes de croissance personnelle. La mort, c'est la vérité! Un organisme qui serait essentiel, selon Diane Cazzoni. Ça permet aussi aux gens qui sont intéressés par un cours de croissance personnelle ou qui ont un problème avec un cours donné d'avoir l'information nécessaire pour savoir comment agir, quels sont les recours possibles, etc. Oh, OK! Oh, excusez-moi, j'entendais pas! Ben là, je vois ça parce que j'arrête pas de crier depuis tantôt. Gabrielle Fréchette affirme ne plus faire de hutte de sudation, mais elle continue, encore maintenant, de donner des formations à ses membres. Mais quand ils viennent vers moi, c'est parce que, à quelque part, j'ai une philosophie de vie et les gens, ben, ils ont le goût d'en entendre parler puis ils ont le goût d'atteindre ce qu'ils reconnaissent de moi, qui est un état équilibré. Je suis une fille avec du discernement, je suis accueillante, je suis aimante et ça lui plaît. Alors, ils viennent entendre ma façon de vivre, ma façon de penser et tout ça.